Salut les amis, aujourd'hui présentation d'une Citroën comme vous pouvez le voir, en compagnie de notre ami Ramus. Bonjour, ça va? Comment tu vas mon Richard? Très bien. Bon, tu peux nous expliquer pourquoi c'est toi qui présente cette voiture qui n'est pas la tienne au final? En fait c'est parce que c'est une personne âgée. Ouais. Donc voilà. Une personne âgée, mais pourquoi? Si elle n'a pas voulu passer... C'est ça, elle n'a pas voulu... Pas voulu s'embêter à être devant la caméra. C'est ça. Donc elle t'a demandé, voilà, vas-y présente la Citroën. Tout à fait, et puis bon, ça me plaît bien. Quoi. Ça te plaît bien, ok. Bon alors vas-y, présente-nous le véhicule. Ouais, donc c'est une C4 de 2009. Ouais. Donc, combien de chevaux ça? C'est une 120 chevaux. 120 chevaux, excuse-moi. D'accord. Siège tissu, boîte manu, 5 rapports. Ouais. Quelque chose à dire là-dessus ou pas? Oui, bah. Le proprio, qu'est-ce qu'il t'a dit? Le proprio m'a dit que le compteur avait été changé. Ouais, bah c'était oui. C'est un compteur qui est plus récent, donc avec l'ancien, toi, éventuellement, t'as. Oui, parce que c'est vrai qu'il fonctionnait plus. C'est ça. Problème de. Ce compteur, ouais. Et comme on n'arrivait pas à retrouver le même. On a trouvé un autre et puis avec les deux on a mixé et puis on a refait ce compteur là. Tout à fait. Il y a aussi eu un... Oui, un petit boîtier additionnel parce que la personne, ça l'embêtait de plus avoir son... Contour. En fait c'est contour parce que ce compteur là, à la base, c'est sur les phases 2 et le contour était sur les volants. Ok. Très bien. Bah vas-y, hein, je te laisse présenter, vas-y. Au niveau du coffre, tu vas être un peu déçu, non? Pourquoi? Ça fait que 320 litres, alors pour mettre quelques cadavres dedans, ça va être un peu juste quand même. Bah, c'est vrai que la tienne, à ce niveau-là, rarement battable. Mais bon, on peut la prendre en supplément. Oui, tout à fait. Mais bon, au maximum, on peut quand même mettre 1025 litres, vraiment, quand les sièges sont pliés, quoi. Ok, d'accord. Ouais, c'est pas mal. De toute façon, toi, tu l'as conduit quelques fois, cette voiture-là. Tout à fait. C'est une essence. Une essence. Et comment tu trouves si, par exemple, tu devrais faire des comparaisons par rapport à la tienne? C'est pas comparable, elle est déjà plus souple, étant donné que c'est une essence. Ouais. Elle est déjà un peu plus puissante que la mienne aussi. D'accord. Moi, c'est une 108 chevaux. Hmm, tu veux nous faire voir un peu le moteur? Tout à fait. La couleur est sympa. Oui. Bleu nuit. Et là devant là, il y a eu des. Oui, il y a eu des petits feux de jour là qui ont été installés en ça. LED. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Vas-y, je te laisse ouvrir le capot. Bon, rien d'exceptionnel. Hein. Petit moteur, ok. Bah, tu me diras, il y a de la place. Oui. Si tu veux mettre les mains, c'est pas trop vilain. Ok, ouais. Bon, faudrait qu'il soit un petit peu nettoyé, mais c'est correct. Ok, ça va. Là, je te laisse la mettre en route. Ouais. Voir un petit peu comment ça s'allume là devant. Tu veux mettre les phares? Ouais, donc là c'est de l'halogène. Il n'y a pas eu de xénon, quoi que ce soit là. Hein. Pas du tout, c'est tout hydrogène du tout. Ok. Ouais, donc le petit boîtier, c'est celui-là. Je sais pas si on voit vraiment. Ok, de toute façon on verra mieux à l'intérieur. Et les rétros électriques ou pas? Non. Non. Ok. Bon bah écoute, on va aller faire un petit tour, tu vas nous faire essayer ça. Ouais. Bon, alors. Tac. Ah bah voilà. Ouais, donc là on va voir un petit peu mieux le boîtier. Enfin légèrement. Ok, mais là il manque quelque chose sur le pare-brise. Normalement on doit voir un peu mieux que ça les écrits là. Ça n'a pas été collé ça encore. Normalement t'as un petit écran qui se colle sur le pare-brise et puis tu vois mieux les. Ouais. Ok, donc t'as quoi? Un petit cadran ici qui affiche quoi? L'autonomie restante, la température, l'heure, ouais, ok, ouais. Des petits rangements un peu partout. Ok.
radio classique, la clim, tout ça. Le volant original quand même. Ouais, ça c'est pas mal. Ça c'est vrai que c'est pas mal. Dommage qu'il y ait une perte de place au niveau du tableau de bord. Ouais, parce que c'est... Ouais, il n'y a pas assez de choses dessus. Quoi. Non, c'est vrai que ça fait vide. T'as l'espèce de gros bloc là au milieu, et puis basta. Ok, ouais, t'as le régulateur de vitesse quand même, j'ai vu là de l'autre côté. Voilà, ouais, sur le volant. Ouais. Ok. Sélection, ici, le volume. Bon, bah très bien. Non, c'est pas mal, on est bien assis, les sièges sont confortables. Oui. Ok. Bon, allez, je vais mettre la ceinture. Hop. Allez, c'est parti. Bon, bah là, tu prends, ouais, bah, tu prends à gauche. Bon, je crois que tu veux pas m'en vouloir parce que bon, ça y a longtemps que j'ai pas trop conduit non plus d'essence. Si je cale. Ah, mais t'as pas le droit de caler, sinon je te vire. Ça m'embêterait quand même d'essayer le coffre en tant que cadavre. Ah oui, fais attention. T'as de la chance, j'ai pas mal l'âme aujourd'hui. Allez, vas-y, je te laisse y aller. On prend des vitres électriques. Ouais, attends, attends. À l'avant. Oui. À l'arrière, c'est manuel. Ah oui, ok. Ouais. Ouais, bon. Mais non, c'est agréable à conduire quand même. Allez, vas-y, il est parti. Donc 120 chevaux essence. Donc toi tu la trouves, ouais, c'est un peu plus de patate que la tienne quand même. Ouais. Ouais. Elle pousse. Rouge pour bien faire, voilà. C'est notre chance. Bon alors, est-ce que t'as pris des... T'as un ticket chez Citroën, toi? C'est pas possible parce qu'à chaque fois tu nous présentes des citrons. C'est ça. Donc la prochaine fois c'est quoi? Parce que là t'as fait C5, là c'est C4, la prochaine fois c'est une C3. C'est ça. On y va en lumière. On y va en réduisant. Non, par contre, blague à part. Dans une prochaine vidéo, bon, ça sortira un petit peu après que la restauration de la compresseur sera terminée. Il y aura notre ami Richard qui conduira pour la première fois une propulsion. C'est bien ça? C'est bien ça. Voilà. Donc, bah, il fera très attention, n'est-ce pas? C'est ça. Il n'y a pas les mêmes chevaux de port en plus. Voilà. Donc, ça sera sympa. Bah écoute, quand tu veux pousser un petit peu, faire un petit coup de boost, une petite reprise, vas-y. Hein. T'entendras un peu le moulin. Alors là, ce qu'on entend, en fait, c'est le boîtier qui détecte que nous sommes quand même bon, à vitesse un peu plus élevée que celle qui est autorisée. On ne faut pas non plus trop déconner. Donc il nous prévient, il alerte. Donc ça c'est pas trop mal. Elle a aussi des excellents freins. Ouais, ouais, elle a des bons freins. Ouais. Alors au rond-point, à gauche. Puis en fait on va revenir par la nationale. Donc il y en a peut-être qui vont reconnaître le lieu. Hein. C'est bon. Pas mal de petites personnes, j'ai remarqué sur YouTube, qui sont déjà passées par ici. Est-ce que cette bagnole-là, c'est le genre de bagnole que tu aurais pu avoir à la place de ta C5, par exemple? Parce que niveau, je sais pas moi, place, etc., est-ce que ça te convient, toi? Oui, ouais, ouais. C'est pas mal. Par contre, ça consomme beaucoup plus que ta C5. C'est ça. Ça te gêne pas de trop? Après, en même temps, toi, ton trajet, enfin... tes trajets sont pas non plus excessifs, tu vas au boulot, t'as quoi, t'as 10 bornes pour aller au boulot, bon, ça reste raisonnable. Non, c'est sympa. Bah, c'est une voiture classique, on va pas non plus se mentir. Voilà.
Mais les 120 chevaux, on les sent, ils sont là, ils sont présents, ça se traîne pas. Quoi. Bon, c'est vrai, ça consomme un peu plus, mais bon, comme on voit le prix du gazole et de l'essence, au final. C'est vrai qu'il y a certains endroits où, c'est pas. Mettre un peu la clim parce que je trouve qu'il commence à faire chaud là-dedans. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais. C'est vrai que ça peut être chiant quand même à la longue, ouais. Ce truc. Bon, tu me diras, on va te dire, ouais, mais en même temps, tu roules au-dessus. Tu fais avec cette vitesse en permanence. Donc bon. Bah oui, mais si on veut te faire voir un peu ce que la bagnole a dans le ventre. C'est pas en roulant à 20 km/h, hein. Bon. Allez, vas-y, gère les courbes. Ah, il nous faut pour état. Gère les courbes. C'est pas mon but. C'est vrai que t'as une bonne tenue de route aussi. Oui. Bah, t'as déjà. Un peu le peu de fois où je l'ai conduite quand même. Ouais, dans les virages, t'as senti qu'elle tenait, quoi. Elle tient bien quand même. Elle a quoi, elle a 100... Ouais, elle est 160 000. 160 000 km. Ouais. Putain, Richard, regarde, c'est pour toi ça, toi. Ouais. Si tu serais cassé la gueule, tu vois. C'était pas loin, les gars. Là, pour me porter la poisse. Toi. Ouais, c'est bien. Ouais, on sent une bonne reprise. Voilà. Bon, là, on est sur une nationale. Hein. Fais gaffe, souvent. Ouais, souvent, ils sont là. Parce que je te dis, des fois les gendarmes sont là-bas, on va pas leur donner l'envie de venir nous embêter, ça serait dommage. Quoique il passera la tête, il serait peut-être heureux. C'est l'avantage d'avoir une poisse entre quelqu'un d'autre. Ouais, mais attention, c'est quand même toi qui conduis, donc c'est ton permis quoi. Tu serais quand même dans la merde. Bah écoute, allez, prends la seconde. Ouais, qui a se garé devant ta voiture. Bon, sinon, pour revenir sur la sur ta C5, ouais. Les projets avancent bien. C'est ça, il y a des choses. Est-ce que ouais, tu ouais. peux dire là, comme ça, là, sans trop spoiler, ce que tu as, on va dire, commandé à ce jour pour la prochaine vidéo? Ben, déjà, oui, la caméra recule parce que c'était prévu. Ouais. Mais il y a d'autres choses qui n'étaient pas prévues que je vais faire, que je dirai pas maintenant. Ouais, non, mais bien sûr. Mais la caméra de recul, ça, c'est commandé. C'est commandé. Ok, donc ça veut dire que dans la prochaine vidéo, paf, caméra de recul, c'est là. Tout à fait. Il y a encore plus, puis d'autres choses qui n'étaient pas prévues, qui n'étaient pas du tout prévues dans ce que je voulais faire. Oui, ça, voilà, ça, je le sais. Et on va garder le. Voilà. Dans la prochaine vidéo, on pourra voir déjà ce qui n'était pas prévu. Ouais, ok. Ouais, parce que finalement, on avait parlé un peu du boîtier additionnel et tout ça. Tout à fait. Ça sera plus fin d'année, ça. C'est ça. Ouais, d'ailleurs, les deux vidéos vont être fin d'année. T'en auras une quoi en novembre, octobre, novembre. Ouais. Et l'autre, ça sera quoi, courant septembre ou pas septembre, décembre. Ouais.
voire janvier, parce que ça dépendra du temps aussi. C'est pour faire ça sous la neige, c'est pas la peine. Bon bah c'était sympa cette petite virée là. Voilà, mamie s'est demandé ce qui se passait. Tendu le moteur, hein, c'est dit tiens, encore un cinglé. C'est ça. Bah, je te laisse te garer devant la bleue. Bon, trop tard. Ouais. On aurait pu te garer devant la bleue. C'est pas grave. C'est... Non mais mets-toi là, mets-toi là, mets-toi là. Ok mon Richard. Voilà. Hein. Bon bah c'était rapide. C'est vrai que le tour a été. Bon, il n'y avait pas grand chose à dire en même temps. Ouais. On voulait surtout sentir un peu la, la souplesse de la voiture. Et c'est vrai qu'elle est vachement souple. Bah, t'as pas calé. Non. Tu craignais là que t'allais caler. Je te dis, je voulais pas filer dans le coffre. Ah voilà, donc tu t'es concentré. C'est ça. Bon bah c'est très bien. Donc la prochaine vidéo tu reviens dedans, c'est vraiment la C5. Tout à fait. Voilà. Bah, surtout si. Si t'entends quelqu'un d'autre qui aimerait présenter sa voiture et qui veut pas passer devant la caméra, bah tu présenteras. Tout à fait. Je sais pas, t'as pas des collègues à ton boulot qui seraient intéressés pour présenter l'une de leurs voitures qui serait un peu. Enfin, où ils seraient fiers de leur voiture. Ouais. Tu connais des. Qu'est-ce qu'ils ont tes collègues en... Je sais pas du tout. Ouais. C'est quoi, c'est des voitures classiques ou ils ont des sportives certains ou... J'en ai vraiment aucune idée de ce qu'ils ont. Eh ben voilà, bah, tu connais ton prochain boulot. C'est ça. Voilà, tu prends des renseignements. Et puis tu essayes de voir si ça les intéresse eux-mêmes de passer sur la chaîne ou si s'ils pourraient te passer le véhicule une petite heure. Ouais. Ça marche mon Richard ? Pas de problème. Bon bah écoute, sur ce les amis, je vous dis à une prochaine fois. Donc y aura le troisième épisode de la Compressor. La voiture à Richard qui sortira donc fin de cette année sur deux vidéos normalement si tout se passe bien. Et puis il y aura aussi ma seconde Mercedes que je vous présenterai, mais ça sera peut-être début d'année prochaine. Il faut voir. Certaines petites choses qui sont prévues aussi pour cette voiture-là. Donc on essaye de faire ça le plus rapidement possible, mais c'est selon aussi les finances. Hein, parce que les fins d'année, entre les fêtes, etc., on ne peut pas tout faire. Voilà, allez, portez-vous bien, à plus tard. Salut!